plein cœur de l'Asie centrale dans l'ex-URSS, au premier jour des Jeux nomades mondiaux, des dizaines de milliers de Kirghizes se réunissent pour un festival sportif du cheval et de l'aigle sur le plateau isolé de Kirchin à 2000 mètres d'altitude. Mais aucun déguisement ne pointe à l'horizon, lointain. Le peuple du Kirghizistan, de culture nomade, se nourrit de son histoire au quotidien. À l'occasion d'un tel événement, consacré à une vraie tradition, qui n'a donc rien de folklorique, la montagne se transforme en stade pour ces jeux dont la plupart des disciplines disputées en extérieur tiennent de la pratique de la chasse à l'ancienne et très fière de son authenticité. À ces jeux, le peuple ne joue pas, il pratique. Alors nous y voilà sur la plaine de Kirchin, enfin sur le site des jeux nomades mondiaux ici au Kirghizistan. Alors là, on a quelqu'un, un guide qui va nous expliquer, avec Natalia, bien sûr, l'indispensable Natalia qui va traduire. Bonjour monsieur, il a un aigle, vous voyez, c'est un drone à lui. Et alors, c'est un vrai, un authentique. Alors est-ce qu'il peut nous expliquer, ce brave homme, un peu la nature des jeux nomades? Et alors d'abord, qu'est-ce qu'il fait avec son aigle en fait là? La première culture était l'охота. L'охота с ловчими птицами, собаками и луком. Мы вот мы тоже вошли в программу Игра Кочевников, потому что мы тоже стараемся здесь преподнести, как это первая культура всего человечества – охота. Охота и этот, как преподнесли и разрабатывали, преподнесли публику как национальный вид спорта. La chasse, c'est l'occupation de l'homme la plus ancienne, et les Kirghizes, entre autres. Les amateurs de cette chasse à cheval avec un aigle et avec le chien, ils ont sans difficulté rentré dans le programme de jeux de nomades comme l'occupation de l'homme le plus traditionnel des Kirghizes. Alors dans les occupations de activité, bon, voilà. Oui, donc oui, c'est une occupation de l'homme, donc il chasse avec son chien, il chasse avec son aigle, ses flèches, le gibier, et l'homme chasse aussi la femme. Alors donc est-ce qu'il peut nous expliquer un peu cette discipline assez étrange, l'attrape gonzesse, on appellerait ça en français, pour chasser les femmes à cheval. Ça nous plaît, ça beaucoup. Это игра появилась неизвестного времени, то есть это как больших праздниках все время проводились Кызгумай. Ну это тоже это как раньше наши девушки, женщины тоже хорошо это владели на верховой езде. Ну это один из требований был. Ну это древнейшая, да, древняя эта игра. Кызгумай, attrape fille, en fait, c'est une des épreuves pour le futur mariage. Les filles kirghizes, ils ont monté les chevaux aussi bien que les hommes, parce que c'était la partie de la vie quotidienne des Kirghizes, des nomades. Et en fait, le choix de futur fiancé s'était fait pendant un certain nombre d'épreuves, donc Kizkumai. Donc c'est la fille qui part à cheval le plus vite possible, jusqu'à certains points. Le garçon essaie de la rattraper et embrasser. Et s'il n'arrive pas, en arrivant à certains points, ils font le demi-tour, et maintenant c'est la fille qui poursuit le garçon et le tape avec la cravate. D'accord, bon, je crois qu'on va vite rentrer en France, hein, parce qu'on va aller plutôt en boîte les draguer à l'ancienne. Merci, spasiba, bolshoï, spasiba. Merci.